Hello tout le monde, c'est Manila, le golf au féminin. Dans quelques minutes, on va retrouver Céline Boutier pour une interview exclusive de son bilan de l'année. A tout à l'heure. Bonjour, je suis Céline Boutier. J'ai pas de second prénom. Mes proches m'appellent aussi Boubout. Je suis originaire de Montrouge, près de Paris. Je suis née à Clamart. Mon quartier préféré à Paris est vers le 8e. Vous ne savez peut-être pas, mais j'adore manger des glaces. Quand j'étais petite, mes idoles étaient Tiger Woods et Michel Roux. Je voulais devenir une golfeuse professionnelle. Et j'écoutais en boucle Taylor Swift. Aujourd'hui, je suis golfeuse professionnelle et j'aime manger. Je joue au golf depuis que j'ai 7 ans. Parce que mon père m'a initiée au golf. Et j'étais numéro mondial amateur en 2014. Et j'ai remporté le British Open amateur en 2015. Après le bac, j'ai étudié en université et j'étais à Duke. Et j'ai commencé sur le LPGA en 2017. Ma plus grande victoire en 2019 était la victoire en Solheim Cup. Et je me rappelle que j'étais très stressée. J'étais qualifiée à la Solheim Cup et ma réaction était plutôt du soulagement. Mon plus beau souvenir à la Solheim Cup était le putt d'étude de Stan Pedersen et ma plus belle rencontre était avec juste d'avoir rencontré toute l'équipe et d'avoir passé une semaine avec eux. Quand, ouais, quand je suis au golf, je me sens à l'aise. Ma partie du golf que je préfère est les faire. J'ai pas vraiment de talent caché, mais non, j'ai des talents cachés comme... comme j'arrive à dormir partout et n'importe quelle heure. Ma recette au golf est beaucoup de travail. Moi aussi astrologique et scorpion. Ma best friend au golf est Ulu Deschamps. $1,500,000 de dollars représente pour moi beaucoup, beaucoup d'argent. Merci.